tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Improformation. Suite à l'adoption de la loi de finances 2022 et les changements qui vont avec, et vu que le calcul de l'IRG a été modifié, nous avons automatiquement modifié le calcul au niveau de l'application CMProPay est toujours dans le triple calcul, c'est-à-dire si on revient sur l'exercice 2021 comme c'est marqué ici, le calcul se fera avec l'ancien barème, l'ancien calcul, et c'est bien stipulé dans ces colonnes. Vous avez ici l'IRG initial 2008, l'IRG 2020, l'IRG 2020 spécial handicapé et l'IRG 2022. Voilà, avec le calcul, si on se positionne à partir de 30 000, vous allez constater la différence, les écarts. Voilà. Nous avons bien sûr, comme je l'ai dit, garder le système de calcul par rapport à l'exercice choisi. C'est-à-dire si je me positionne ici sur 2022 et je fais un calcul du livre de paye, j'ai déjà créé deux employés fictifs, bien sûr, voilà, pour faire un test avec des salaires. On va créer des salaires. Approximatif comme ça pour voir un peu la différence sur le calcul. Là je suis sur l'exercice 2022 et si je fais le calcul du livre de paye du mois de janvier, voilà, vous constatez le calcul de l'IRG qui s'est fait selon le nouveau système de calcul à partir de 2022. Je vais maintenant calculer pour le même personnel, mais là je vais positionner sur l'exercice 2021 et je positionne par exemple au niveau du mois de décembre 2021 et je fais reconstruire et vous allez constater que le calcul s'est fait avec l'ancien système. Là, on a pour un salaire de 34 006 dinars, nous avons 3208 d'IRG à payer. Si je me positionne au niveau de salaire, de ce salaire, 34 000, je vais le salaire, je l'ai oublié, le salaire imposable, 34 000, je vais le copier, 34 000, 6 dinars, voilà. Voilà, 34 000 6 dinars et le calcul s'est fait selon cette tranche, 3200 à 3208. Voilà. Au niveau du livre de paye de décembre, 3208. Voilà. Qui correspond à l'exercice 2021 pour le mois de décembre, 3208. Maintenant, si je passe sur l'exercice 2022, sur le mois de janvier, avec le même personnel, avec le même nombre de jours et les mêmes salaires, vous avez avec le même salaire imposable, bien sûr, nous avons 1699,26. Voilà. 1699,26. Voilà. Le calcul s'est fait par rapport à l'exercice 2022. Nous avons appliqué l'abattement qui a été signifié, bien sûr, pour les personnes handicapées,
ils ont le régime spécial, vous allez constater ici, au niveau du calcul de l'IRG. Vous avez ici l'IRG avec l'IRG 2020 et là l'IRG initial 2008. Nous avons affiché ces colonnes pour voir un peu les différences d'IRG qui existent depuis la version, la première, le premier barème de 2008. Voilà.